Nous sommes fiers que la République démocratique du Congo, en étroite collaboration avec la FAO et l'INPE, ait produit ce portail géospatial pouvant servir de modèle à tout pays pour s'occuper des questions cruciales que représentent la gestion des forêts et l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre.
Depuis 2005, la République démocratique du Congo et d'autres pays se sont volontairement mis ensemble au niveau international pour développer un mécanisme RED+ efficace. L'une des tâches clés pour toutes les nations participantes est la création du type de système national de surveillance des forêts que cette vidéo a illustré. Les objectifs atteints avec ce site sont les suivants. 1. La spécificité. Ce site est exclusivement orienté vers notre pays. 2. L'exactitude et la consistance. Le site est servi par les outils les plus fiables en termes de technologies satellitaires et de systèmes d'information géographique. 3. La transparence. Le site utilise des données non biaisées et les sources de ces données sont parfaitement identifiables. 4. Le dynamisme. Plusieurs bases de données peuvent être fusionnées au niveau du site et pourvoir des réponses aux utilisateurs. Enfin, 5. La réactivité. La capacité d'analyse des réactions et des commentaires des utilisateurs peuvent assurer un dialogue entre le site et ses utilisateurs. Bienvenue au monde extraordinaire de l'information qui est le www.rdc-snsf.org.